We hid the dough from the bank at Polly's for the time being. We couldn't blow it all straight away, so we arranged that I'd stop by there the next day, and we'd think of the best way to invest it. I had loads of ideas of what to do with the money, but I was pretty curious about what Polly's plans were. Oh, Jesus. What the hell happened? Polly! Polly! Christ! The dough! Where's the dough? Damn it! It's all gone! This is like a bad dream. Sam? It's Tom. Polly's dead. I... Christ! I knew it. Tom, you're in deep shit. I wanted to warn Polly. Salieri found out about the bank and decided he wasn't gonna tolerate it. I didn't make it in time. Tom, you gotta disappear fast. Sam, I didn't know it would be such a big deal. What should I do? I can't just leave Sarah and the kid. Okay, Tom, I'll help you. We gotta meet somewhere, but almost everywhere is dangerous for you now. Our best bet would be the City Gallery. Okay, I'll be there in a little while. Thank you. You know Polly is lying here in a million pieces. I don't know who else I could turn to. It's okay. I still owe you one. Thanks, Sam. Bon, ben, c'est très important que je check mon camp. Parce que. Eux autres se trouvent à être des détectives. Puis la police qui s'en vient pour justement le corps de Sam. Bon, lui, justement, c'est le détective. Mais si j'avais resté dans la maison, j'aurais été suspect de justement. Meurtre de Polly. Puis il m'aurait arrêté, puis tout ça. Fait que, meet Sam at the City Gallery. Alternatively, you can visit Lucas Bertone. Vous pensez qu'est-ce que je fais de Lucas Bertone? I don't give a shit. I don't give a shit depuis l'épisode 1 de Lucas Bertone. Well, we're in deep fucking shit. Salieri nous veut la peau. Sam, il est là pour nous aider. Heureusement, parce que, je veux dire, on a eu l'appel téléphonique de Sam. Il voulait appeler Polly justement pour lui dire « Polly, sac ton tabarnak de camp, t'es dans fucking marde! » Tom aussi d'ailleurs dans le crise de marde. Fait que... parce qu'en fait, on a déjà sauvé la vie genre plusieurs fois à Sam. Sam, il nous a toujours dit comme « I owe you one. » Là, c'est vraiment dans cette mission-là qu'il est vraiment « I owe you one. » Puisqu'on a sauvé la vie de Sam au moins deux fois dans Let's Play. Peut-être même une troisième fois. Mais deux fois, ça, c'est 100% sûr. Mais, c'est ça. D'ailleurs, fun fact, si vous retournez voir Salieri, genre au bord de Salieri pis tout, ils vont pas tolérer ça. Écoutez, je sais plus c'est quoi qui se passe exactement, mais je crois qu'il y a des dudes qui veulent vous tuer. Legit, si vous allez directement au bord de Salieri... Je crois qu'il y a des gens qui veulent vous tuer comme ça. Je veux dire, c'est comprenable si on vient juste de voler sa foutue banque. Well, le plan, c'est qu'il faut que je décalisse au plus vite. Sam va nous arranger un petit quelque chose. Dire. Alright, fait que... Il nous a dit comme quoi qu'il allait nous rencontrer au musée des arts, fait que... Let's go, I guess. Mon seul ami, Polly est mort, c'était mon plus grand chum. Il reste juste Sam, for fuck's sake. Salieri, t'es trop vite pour Polly. En fait, Salieri l'a découvert trop vite, c'est ça le problème. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que je peux faire avec Sam, puis on va voir qu'est-ce que... C'est quoi le verdict par rapport à tout ça? Où c'est que j'ai collé au plus vite? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Y a-tu des futurs plans? Je sais pas. Mais y a une chose qui est sûre. Comme ça m'a dit,
I gonna disappear fast. Fait que ça... probablement quelque chose pour moi, man. Alright. Let's go, man. C'est ici. Don't move, scumbag. Oh, shit. Surprise! You weren't looking for that at Pauly's, by chance. Sam, what's going on? I thought we were meeting alone. The situation's changed, Tom. I had to decide whose side I was on, and sorry, but it would be suicidal to stand on your side. I can live with murder, though. So you killed Pauly? Well, I was more the means to his death. The same as I am in your case. I would never have expected this from you, Sam. Well, I'm in a good mood. Things are looking up for me, and I found a bag of money. So killing off your partners is a big laugh? Maybe I should try it. It ain't bad, but you probably won't have time. It's never too late to start. I guess honor's out of the picture. Honor's meaningless. This is business, and you've broken its unwritten rules many times over, Tom. Maybe I feel some pity, but that's out of place in business. I didn't notice that I was the cause of the family's problems. Really? You did what you wanted, Tom. You didn't kill Frank. You let that whore get away, and then the bank? You can't do what you know is right because you don't know nothing. You don't grasp the effects of your actions. The Don is the thinker. You were never a great thinker, so you probably need him. That's not how I feel. I can think for myself. The opinion of Don Cillieri is that he won't go and sit in jail just because of your feelings. And I agree with his opinion completely. Don Cillieri really liked you, Tom. And I did too. We'll cry together at the funeral. You poor bastard, Sam. I feel sorry for you. But I'm alive. It's a pity you can't use that money. Oh, but don't worry. We'll give Sarah a little something. You know, single mothers don't have it easy these days. The Don will take care of her. He isn't as much of a monster as you think. Goodbye, Tom. It was nice knowing you. Take good care of him, boys. And please, don't make him suffer. He's my buddy. Alright, cette mission-là est fucking dure. let's go, man. J'ai juste 6 balles. That's it, that's all. I shit you not. J'ai juste 6 balles. J'aurais pu aller visiter Yellow Pete, mais avoir visité Yellow Pete aurait trop donné... la situation comme étant comme quelque chose de... Alright, ok. Ok, j'ai une balle. Ok, j'ai plus de balles. Faut que je grab son gun. Parfait. Mais c'est ça. Avoir visité Yellow Pete aurait genre trop donné la situation puis il aurait dit comme quoi, bon ben il y a quelque chose de sérieux puis de fichier qui va se passer avec Sam. J'ai voulu faire en sorte que ce soit complètement... Fichiless, si on veut. Je sais même pas si c'est un mot, mais holy shit, man. Je suis en train de me faire tirer dessus par tout le monde. Puis, c'est très important que je conserve toutes mes foutues balles. Ah, venez ici, man. Moi, je chicane pour de vrai parce que... Oh my god. Parce qu'il y a... Oh my god. Ok, comme ça. Alright, il y en avait un autre. Ok. Alright. Oh shit, y'a plus de balles. 1911 collect. J'ai plus de balles pantoute. Ok. Alright, that's it. Oh ouais, on le punch. Fuck it. On le punch. Ah ouais, le weapon le plus OP du jeu. Punché. Oh shit, y'a un gun set. Oh fuck. Ok. J'avais même pas. Non, j'avais même pas vu le gun. Ah ouais, c'est ça, mort mon tabarnak. Alright, qu'est-ce qui se passe, Carlis? J'ai trouvé un Colt 1911, mais y'a pas de balles! Pis j'aime le Colt 1911. Je le savais qu'il y avait un double. Allez, donne-moi ton fucking Colt 1911. Ça, c'est mon piou-piou préféré, man.
Alright, 67 de vie. Puis aussi, la vie dans cette mission-là, extrêmement importante. Parce que c'est toute la vie pour le restant de la mission. C'est pas un jeu de gun comme dans l'habitude, où c'est que tu te régénères en respirant l'air pur. Le pur O2 que vous respirez dans l'air. Non, non, non. T'as 67 vies, ben il te reste 67 vies, puis fuck you, man. Alright. C'est très important que je joue cette mission-là très, très, très stratégique. Alright. Il y a un dude ici, je le sais, I think. Je m'en souviens plus son... Ouh! More, bitch! Il y a un gros shotgun. Il y a un... Oh my god, peux-tu bien arrêter de rouler? Ok, ok. Alright. Celui qui a le shotgun? De... What the fuck? What the fuck? Alright. Ah, c'est lui qui a le shotgun. Puis il est mort. Good riddance, bitch. Ok. Ok, 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 ok. Là, il me faut le shotgun. Enfin un bon gun, man. Enfin un foutu bon gun. Y'a-tu quelqu'un qui s'en vient? Y'a quelqu'un à l'autre bout. Je l'ai vu. Écoute, tu sais quoi? Moi, je vais camper ici. Don't give a fuck. Ah, vite-en, man. Yeah, bitch. Fuck you. Mm-hmm. Y'a-tu quelqu'un d'autre? Tu sais quoi? M'a prendre son topsin, ma calice. Alright. Yeah, fuck you, mate. Yeah, mange la calice de merde. Hey, yo, what's up, man? Holy shit, commence à avoir des dudes. Ouais. Ok, alright, y'a un dude là. Ok, tu fucking meurs. Toutes les crises de balles sont précieuses. J'ai tellement pris mon temps en ce moment que même la musique, elle a arrêté pour de bon. Tain, et voilà. Y'a quelque chose dans cette mission-là qui fait grave chier. Puis vous allez voir ça tout de suite. En fait, je vais juste vous le montrer, même je reload mon Thompson. Parce que là, techniquement, y'a plus d'ennemis, mais... juste comme faire ça, et voilà, revenir. Ouais, des grenades. Des fucking grenades. Ils font chier en tabarnak. Oh my god, peux-tu bien crever already? Ok. Oh boy, j'aurais dû garder mon... Ok, mais anyway, qu'est-ce qui se passe là? Hey boy, c'est pas le temps de rouler, man, Tommy. Hey, I don't like this. I really don't. As I see it, the boys underestimated you, Tom. Well, I hope they'll be luckier this time. Boys, be careful you don't break anything. There are lots of beautiful and valuable things in here. Well, oh my god! Ooh! Ooh! Ok, y'a plein de dudes partout. Y'a fucking plein de dudes partout. Ok, alright. J'ai besoin du code 1911. Là, y'a des dudes partout, man. Parce qu'of course, la mission n'est toujours pas finie. Oh, what the fuck, tu sais que ça vient, ça? Ah, le gun, peux-tu... Ok, le gun drop vers moi, man. Il déboule les marches. Si, alright, viens-t'en, man. Holy shit. Les tactiques 101, tabarnak. Ouais. Ok, holy shit, il est en haut là, man. Oh, je le vois. Il est là. Ouais, fuck you, mate. Ah, oh, mange de la foutue merde. Ok. Wouhou. Cette mission-là est fucking tilt AF. I'm fucking telling you. Why? AF. You heard me right, man. Ok, y'a un dude là-bas. Ok. Alright. Je crois qu'il est mort. Mais je vais même pas reload parce que... En fait, dans ce jeu-là, je sais même pas si je vous l'ai montré, là, mais en ce moment, j'ai 16 balles sur 150 total. Si je reload, je perds toutes mes clips, ce qui veut dire que maintenant, j'ai 150 balles. Puis tantôt, je n'avais genre 166, parce que je n'avais 150 plus 16. Well, non, dans ce jeu-là, tu perds tes clips. Ce qui est fucking bien fait, sincèrement.
Puis c'est un aspect qu'ils ont ramené dans le Definitive Edition si tu joues au classic mode de Mafia. Ce qui est fucking awesome. Oh my god. Des calices de là, toi. Ok, ok. Y'a-tu d'autres dudes? Well, y'en a un là-bas. Suffit que tu vises bien comme il faut, et voilà, il est mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, for fuck's sake? Je peux aller par là. Oh! Oh my god! Oh, oh, oh! Ok. 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 Où c'est que vous êtes, man? Il y avait quelqu'un là-bas, man. Alright. Ah, il est déjà mort! Ok, d'abord, je pensais pas que je l'avais tué. Ok. Non, 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 non. Allez, venez ici. Sortez de votre fucking cachette, man. Il me reste 39 de fucking vie. Yeah. Les ennemis dans ce jeu-là sont vraiment pas patients. C'est genre, tu te montes ta face ici à 10 minutes plus tard. 10 minutes. 10 secondes plus tard aussi, ils sortent de leur cachette. Et voilà, encore une fois, j'ai pris trop mon temps, fait que la musique elle a arrêté, pis c'est ça qui se passe quand tu prends trop ton temps, man. Ben oui, parce que sincèrement, cette mission-là, si tu meurs live, là, il faut tout que tu recommences la foutue mission au début du galerie. Y'a pas de checkpoint. Zéro pinbar. Il faut que tu fasses ça one go fucking clean. Fait que c'est pour ça qu'en ce moment, je prends mon temps, pis c'est plus winner de prendre son temps, pis ben oui, voulez-vous voir un petit quelque chose que je trouve awesome? Si vous tirez des cordes, il drop. Nice touch. Pour de vrai, nice fucking touch. Ben bro, on est en train de détruire plein de peintures. Wouh! Fuck les millions de dollars! Ok, il y a un dude ici qui est vraiment fucking... proche. Toi. Lui, c'est un... Oh my god, lui c'est un mini-boss. Son fucking shotgun de marde là. Où c'est qui, tabarnak? Ah. What the fuck? Qu'est-ce que je tire dessus, tabarnak? Alright. Ok, he's dead, Jim. Bon ben, ok. Fait que... Alright, am I safe? Am I fucking safe? Oh boy, I'm not safe. Ouais, comme tantôt, m'a attente, m'a campé, man. Pis les tabarnak, ben c'est ça, comme je vous dis, ils viennent toutes. Ah, y'en a même un deuxième qui va venir. Check bien ça, man. Je sais qu'il est là. Anytime fucking soon. Well done. Maintenant, c'est moi qui commence à perdre patience. Hein, j'ai perdu patience, fuck you. Ok, well, on a vu Sam genre une fraction de seconde, fait que Sam maintenant n'est plus là, malheureusement. Sam, t'es où, Callis, man? Tabarnak, tu m'as promis que man, tu t'allais me sauver la vie, for fuck's sake. Ok, vous reconnaissez cette place-là? C'est là où c'est que j'ai commencé, man. Un autre affaire, pourquoi j'aime pas cette mission-là, encore une fois, j'ai juste à passer ici, et voilà... Deuxième grenade. Ces grenades-là sont vraiment crissement pas évidentes. Hey, what the fuck is that? C'est-tu un medikit? Holy fucking shit! C'est un fucking medikit qui heal de 50! That's pretty good, if I do say so myself. Where the fuck is everybody? Je veux dire... Hey, toi, man! Mon tabarnak, tu sais pas viser, hein? Tu sais crissement pas visé! Ouais, fuck you! Alright, on va leur reloader le gun, là, même si j'y me reste 22 balles. Je me fais pas confiance. Oh boy. Non, alright. Oh fucking shit. Where the fuck is everybody? Même en plus, y'a plus de musique, fait que this shit is fucking stress inducing, genre. Juste le fait qu'il y ait pas de musique, absolument rien. Oh well. I guess que... Bon, aller par là, genre. Et... This doesn't smell very good.
It looks like you underestimated your new partners. Maybe you ought to change sides. It's still not over, Tom. Things aren't what they look like, Sam. Salieri also double-crossed you. What are you talking about? We almost got killed because of those stupid cigars. Salieri knew that the job was risky. There were diamonds hidden between those cigars. He didn't want to give us a cut. That's why Paulie wanted to take the bank. Because he realized how Salieri was ripping us off. He told me about those diamonds, Tom. He only wanted to keep them secret so nobody knew where they were before he sold them. Besides, the diamonds have nothing to do with the fact that you didn't kill Frank! He broke the Omerta. Which is worse, Tom. How do you know I didn't kill Frank? You can blame it all on someone else you didn't kill. You're too human. She came back to the city, and we found her by accident. Damn it. Tom, you know you can't trust a dame. I can understand it isn't easy to kill your wife's best friend. Yeah, I should have done it for you. She also pleaded with me and cried. Well, we realized that we couldn't rely on you, so we checked up a little and found out about Frank. Sam, do you really think everything has to end like this? We still got a chance. There ain't no way back now, Tom. I'm sorry. All right, no way back. All right, d'abord, ben, by the way, final buzz du jeu. Sam, c'est une fucking machine. Point fucking taken. Ce dude-là, il est dur en tabarnak. Ouais. I shit you not, man. Le tabarnak, il s'est visé. Mais au moins, ça se trouve être un checkpoint. Holy shit. Sweet really fucking checkpoint. Parce que de ce point-là jusqu'au début de la mission, il n'y avait pas de checkpoint. Sweet zero fucking checkpoint. Là, il est genre là, Sam, right? Faut genre que tu le... This motherfucker, man. Je suis trop tilté, assis. En même temps, elle m'a blâmé sur ma souris. Ouais, c'est ça, gars. Il s'est juste trop blâmé tout sur ta souris, man. Ma souris est beaucoup trop sensible for this shit. Mais grosso modo, il faut que tu le stunlock. Comme ça, là. Si je peux vous le montrer, là. Ah, oh, comme... Ah, fuck. Comme qu'est-ce que je suis en train de faire, là, mais... meilleur. Non, ce cave-là, man, il est fucking dur. Ce fucking cave-là, il est dur, mais... éventuellement, je vais bien l'avoir, là, et voilà. Ah, oh, les shit. OK, let's go, man. Let's go, Gab, t'es meilleur que ça. Alright, dance for me, Sam. Alright, dance for me, man. Dance for me, you little bitch. Dance, oh my god, ah. Oh, j'allais avec Esma. Ouais, il y a aussi beaucoup de vie, by the way, fait que... Well. Ok, je l'ai dans une loupe. Non, tu cours pas, mon tabarnak. Non, tu cours pas, Chris. Tu cours pas! Hey, mort, calice! Oh my god! Oh. Ok. Il est où, là? Non, il est pas là. Alright. Ok. Hey! Check à tout le fucking sang qu'il a perdu ici, calice! Well, il a plus l'air d'être là. Well then. Ouh, hey! C'est pas comme s'il avait couru par là, hey! Je me demande c'était qui ce fucking sang là? C'est certainement pas le mien! Hey, fuck you, mange la marde! Ow! Damn it!
Hey, it's the same situation again, Tom. And once again, you can't decide. Damn it. Oh. You did it. But they'll get you all the same. Salieri, we'll get you. He stood by you. You rat. You're dangerous, Tom. And Paulie is dead. He was never sure that you wouldn't forgive his death. Oh, you're gonna have to hide like an outcast. And one day, they'll get you all the same. Like Frank. They found him? You only lengthened his life. But in the end, they found him. All the same. And Frank was the Don's only real friend. Friendship ain't worth shit. Oh! Ah! Ow! Oh! Oh. So it was you again, huh? You destroyed the picture collection worth a few million dollars? I wasn't planning on it, but somehow it worked out that way. Otherwise, that's everything? I got out of there fast. It was no picnic. I really was in danger, but I pulled it off. I took the wife and daughter and immediately left the country. Sam was right. If they decided to find Frank in Europe and take revenge almost 5 years after he disappeared, they wouldn't let me just leave after betraying them. And you're willing to say all that you've now said to me in front of a court and give evidence against all those men? Don't you think the situation will be a lot worse for you? What you're planning to do now isn't betrayal. It's more like treason. If these people go to jail, or better yet, death row, they won't be able to take revenge on me. At least not as easily as if they were free. I am willing to give evidence against them if you ensure our protection, and after the trial, a new identity for me, my wife, and my daughter. If we manage to pull it off, it'll be the biggest legal battle this country's ever seen. It's an interesting offer. I don't know if it's moral to help somebody like you, but I think the results will be worth it. I think we'll help you. Everything worked out until the legal case. I sat in my cell and wrote down the evidence I had against all the people I had worked with. People I had been friends with for 10 years. The case was huge and caused a shock throughout the country. Salieri got life. Even some of his thugs got the chair. The shortest sentence was 8 years. I spent the whole time in a closed cell at a secret location with no visitors. I didn't see Sarah or my little girl the entire time. In the end, it was worth it. Norman got us new identities and moved us to the other end of the U.S. I got work as a driver for a respectable company. We started a whole new life. This peace was only interrupted by the war, but we got through it.
Mr. Angelo? Yes? Mr. Salieri sends his regards. You know, the world isn't run by the laws written on paper. It's run by people. Some according to laws, others not. It depends on each individual how his world will be, how he makes it. And you also need a whole lot of luck, so that somebody else doesn't make your life hell. And it ain't as simple as they tell you in grade school. But it is good to have strong values and to maintain them in marriage, in crime, in war. Always and everywhere. I messed up. So did Paulie and Sam. We wanted a better life, but in the end, we were a lot worse off than most other people. You know, I think it's important to keep a balance in things. Yeah, balance, that's the right word. Because the guy who wants too much risks losing absolutely everything. Of course, the guy who wants too little from life might not get anything at all. Et c'est la fin du jeu! Holy fuck! Calisse que j'adore ce jeu-là! Sérieusement, j'adore en Christ ce jeu-là. Puis bienvenue dans la partie où c'est que ça fait aucun Christ de sens! Pourquoi ils mettent cette tune-là comme fin credit du jeu? Anyway, m'a probablement coupé la tune parce que... Where do gangsters go when they die? They don't go to heaven when the angels fly! Anyway, cette tune-là fait aucun fucking sens, comme fin de tune du jeu de mafia, là, mais bref, whatever. M'a coupé la tune parce que ça me tente pas d'avoir un copyright strike ou fucking whatever. Bref. Holy shit, dude, ça fait... Depuis 2016 que je let's play ce fucking jeu-là. Genre milieu 2016 ou genre milieu fin 2016. Fait que ce let's play-là a duré fucking près de un petit peu plus de 4 ans. Pis calisse que j'adore ce jeu-là, man. En fait, la seule raison pourquoi c'était long, c'est parce que j'ai dû tout traduire, absolument tous les foutus épisodes. Ça, c'était vraiment le plus long pis le plus chiant. Moi, être complètement honnête... J'aurais jamais dû faire ça. In the first place, j'aurais jamais dû faire ça. Mais, there you go. Anyway, c'était impossible de faire en sorte que ce jeu-là soit en anglais puis sous-titré français. À l'époque, en 2002, c'est pas vraiment une option. Fait que c'est pour ça que, en ce moment, well, vous avez eu la traduction québécoise, française-québécoise de ce jeu-là en entièreté. Je sais, il y a une couple d'erreurs, puis d'erreurs d'orthographe, whatever. I don't give a shit. Sincèrement, c'est plus pour vous, guys, si jamais vous aviez aucune idée, genre, que vous comprenez pas l'anglais. Parce que, sincèrement, je l'ai dit au début du jeu, ce jeu-là, il faut l'apprécier pour son histoire. Puis, j'ai rendu justice à ce jeu-là en traduisant absolument tout. Pis je crois que au final ça a turn out très bien. Même si ça fait 4 ans et quelques poussières aussi que ce let's play là est en vigueur sur fucking Story Ultra. Anyway. comme j'ai dit, Mafia 1 ça trouve à être un de mes jeux préférés de tous les temps. L'histoire est juste fucking fantastique. C'est probablement mon jeu préféré de tous les temps en termes de l'histoire. Mafia 2 aussi, je l'adore. Well, Mafia 2. Parlons un peu avec Mafia 2. En ce moment, je viens juste de finir Mafia 1. Moi, vous le dis tout de suite. Mafia 2 est beaucoup plus proche comme let's play de ce que vous pensez. Holy shit. C'est juste ça que je veux vous dire. Mafia 2 est un let's play beaucoup plus proche de ce que vous pensez. Je veux dire, habituellement, je vous aurais dit comme... Bon ben, ça va quoi, et dans une certaine, un certain moment donné, je vais let's play Mafia 2, c'est 100% sûr. Well, je vous le dis tout de suite, c'est 100% sûr que je vais let's play Mafia 2. Mais, ce let's play-là va prendre vie beaucoup plus tôt de qu'est-ce que vous pensez. Anyway, c'est juste ça que je veux dire. Fait que, sincèrement, that's it, that's all. Sincèrement, j'ai fini avec Mafia, holy shit. Pis aussi, juste vous dire, j'adore en Christ ce jeu-là.
J'ai pas encore joué à Mafia Definitive Edition parce qu'il sort dans 4 jours. Dans 4 jours aussi, je vais enfin pouvoir mettre la foutue main à Mafia Definitive Edition. J'espère que je vais l'adorer autant que ce foutu jeu-là. Sincèrement, il y a de l'air extrêmement promising right now. New Freeride Auctions, Freeride Extreme, tu sais quoi? Je peut-être retourner à Mafia pour le Freeride Extreme. Parce que, pour vrai, c'est fucking whack. Ça, pour vrai, c'est genre, tu veux-tu avoir du fun, mon pit? Joue à Freeride Extreme, c'est genre, whackness level 1 milliard. Anyway, probablement un futur vidéo bonus sur Mafia de Freeride Extreme, juste pour vous le montrer, peut-être. Je garantis rien, mais bref. C'est de m'emmener, je retourne à Mafia, là, mais très peut-être. Plus oui que non. Je vais vous le dire tout de suite, là, mais plus oui que non. Anyway, j'aime pas ça promettre des trucs, parce que quand que je promets des trucs, c'est genre... Ah ouais, je vais vous le promettre que Freeride Extreme va être une vidéo bonus. Well, puis qu'au final, je le fais jamais, là. Puis ouais, après ça, vous me dites, hey, c'est un jeu, tu l'avais promis. Ouais, non, fuck off. C'est pour ça que j'aime pas ça promettre des trucs. Peut-être une vidéo sur Freeride Extreme. Whatever. Mais c'est ça, tu sais, Mafia Definitive Edition, j'espère que je vais l'adorer autant que ce fucking jeu-là présentement. Puis comme j'ai dit, j'ai vu beaucoup de let's play. Il y a de l'air extrêmement promising pour être un Christ de bon jeu. Les dudes derrière Hangar 13, ils ont peut-être foutu une tabarnak de dompe avec Mafia 3. Sincèrement, je déteste à mort Mafia 3. Mais Mafia Definitive Edition, s'ils réussissent à faire un assez de bon jeu avec, même dans les datings, je vais mettre une petite phrase genre qui va dire en haut, en bas, genre « Ouais, j'adore ce jeu-là en tabarnak » ou « Ben non, ce jeu-là, it's really shit, Mafia Definitive Edition. » Anyway. Je vais vous mettre dans mes mots à moi une petite phrase de comment que j'adore Mafia Definitive Edition. Et puis, ben là-dessus, on va conclure enfin ce foutu let's play-là. Parce que ça fait fucking 4 ans que ce let's play-là est en vigueur sur Histoire Ultra. Fait que, guys, c'était Histoire Ultra. Comme je vous le dis, je vous promets, Mafia 2, c'est 100% sûr que je vais jouer à Mafia 2. Puis, comme je vous dis plusieurs fois, Mafia 2 va être un let's play très, très, très bientôt. Beaucoup plus proche de ce que vous pensez que je vais sortir ce let's play-là. Anyway, ça peut faire du sens. Fait que, guys, bonne journée, à la prochaine. Et j'ai enfin fini avec Mafia! Holy fuck, man, il était temps! Oh, 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 oh!